Qu'est-ce qui a motivé ce changement de posture? Écoutez, très bien. On a reçu un courrier qui était confus et on ne savait pas exactement à quoi s'appelait parce que quand le ministre nous écrit pour dire que c'est pas de concentration encore, pendant que beaucoup de classes politiques sont détruites, pour rejeter ce fonds-là. Et l'été nous pouvait encore quand on a eu que le ministre de Marseille dire que ce cadre de dialogue. Le micro. Comme il n'a pas toujours utilisé ce cadre de conservation, c'est pourquoi. Après bien sûr l'inauguration de ce cadre au palais de l'éducation. Et bon, nous on a dit, c'est pas continuer, si c'est pas rectifier. Bon, vous savez très bien pour le 20 juin passé, il a complètement changé le cadre. Il a dit ce cadre et dialogue sincère franc, vous savez, avec tous ces mots qu'il a dit, qui a rassuré les gens. Et c'est pourquoi et nous, on était invités, n'est-ce pas, par le ministre, en disant que ce cadre de consultation était au niveau, c'était vendredi passé. Alors on a écrit sur le Premier ministre jeudi et on pense que ça devait être parce que le même soir, il y a un autre communiqué qui est passé qui a dit que ça a eu de bien quand des dialogues. Et il nous a demandé, il y a eu d'autres, n'est-ce pas, contacts serrés qui a rassuré, qui nous a rassuré que. Il n'y a pas de problème de venir, il s'agit bien de cadre de dialogue. Oui. Voilà. Mais pourquoi cette décision vous a coûté. Oui, il a répété la même chose. En tout cas, je crois qu'il a, il est à, on peut dire que vraiment il est sincère de ce qu'il dit. Si on le laisse bien libre, et on va arriver. Mais si aujourd'hui vous avez vu tout ce qu'on a pris. Et la parole dans la salle, tout le monde a dit que c'est cadre de dialogue. Tout le monde a dit cadre de dialogue. Donc voilà, je crois que si on va dans ce centre et que ce dialogue se fera, comme on a dit, on peut dire que ça vient de barrer. Oui, justement, mais de l'autre côté, votre coalition a failli partir en éclat, Bawori a quitté et tout. Vous regrettez? Oui, mais pour rien, quoi. Je ne sais pas pourquoi il a quitté, parce qu'il a dit qu'il faut dialoguer. Et voilà, nous aujourd'hui, on a dialogué. Donc, mais, il fallait, on ne peut pas être devenu oui-oui. C'est-à-dire, quand ce qui n'est pas bon, on n'est pas contre le ministre, on n'est pas contre qu'on parle de gouvernement. Mais il faut structurer les choses, il faut mettre les choses dans un vrai contexte. On a dit qu'il fallait que le monde soit venu, parce que ça a été vraiment, on peut dire, modifié. Aujourd'hui, il s'agit de cadre de dialogue exclusif.